Salut tout le monde, salut salut, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour un petit live Mass Effect Andromeda en après-midi. Oui, on est dans l'après-midi, je sais, c'est pas habituel. Mais voilà, j'ai envie d'avancer sur ce jeu et comme il va falloir beaucoup 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 de temps pour le faire, eh ben j'ai envie d'avancer, donc on live l'après-midi quand on peut aussi. Voilà, hein, dans VO. Du coup, on est niveau 17 les amis, il me manque 8 points pour passer niveau 18. J'ai respé d'ailleurs, hein. J'ai fait mes petites respé, je suis passé en profil sentinelle, histoire de voir un petit peu ce que ça fait avec les combos des pouvoirs biotiques et techniques. Donc on va voir ça. Je suis passé donc avec, dans mon pouvoir de combat, j'ai juste mis 3 points en fusil d'assaut, 3 points en aptitude de combat pour aller chercher 5% de santé, les boucliers, voilà tout ça. Plutôt sympathique. En biotique, après, je suis parti sur 3 points en télékinésie et 4 points en projection. Et c'est ce qui va faire mon combo d'ailleurs, en balançant ma télékinésie et ma projection juste ensuite. J'ai mis 4 points en confinement après pour aller pour avoir voilà, la durée des effets qui sont augmentés, la force des pouvoirs augmentée et tout. Donc bien sympathique aussi, on va voir ce que ça donne. Et dans les pouvoirs techniques, j'ai mis 4 points en surcharge, qui me permettra aussi d'amorcer un combo. Alors je sais pas si ça amorce le combo des pouvoirs biotiques, mais on verra. Si jamais je peux pas faire une petite projection, une petite surcharge sur un mec en bouclier. On verra ce que ça donne aussi. Et puis j'ai mis 4 points en pouvoir technique offensive et système auxiliaire aussi. Voilà, il me reste 2 points utilisés, je les ai gardés pour le prochain palier. On verra ce que ça donne. Et pour l'équipe, c'est tout simplement maintenant en automatique, hein, ça se fait tout seul. Comme ça, j'ai pas à le gérer tranquillement. Au niveau de mon armure, est-ce qu'on peut voir mon armure? Je ne crois pas, pas ici en tout cas. Je suis en armure du pionnier, hein, niveau 3 normalement partout. J'ai créé un nouveau flingue, un nouveau fusil d'assaut qui s'appelle le Avengers 3 je crois, ou Avengers 2, qui n'est pas modé à fond. Malheureusement, j'ai pas pu le créer avec tous les mods parce que j'avais plus de mods. Donc il est pas super optim, mais il fait du dégât, donc on verra ce que ça donne. Ce que je voulais faire, c'était parler à la J'ai juste besoin de me reposer un peu pour reprendre des forces. Ah, je peux pas te parler, d'accord, ok, bon bah salut alors. Je voulais parler à la Moshae pour voir ce qu'elle avait à me dire, mais apparemment elle veut pas me parler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite partir en mission. Et je sais pas sur quoi on va partir. Je sais pas du tout sur quoi on va partir. On va aller voir ça, ce qu'il nous reste à faire. Alors la mission principale, c'est de retourner sur Aya avec la Moshae Je justement. passerai pas mes vacances ici. Ah non, j'avais dit qu'on restait ici. J'avais dit qu'on restait ici, oui. On a plein de trucs à faire ici en fait. Donc on va rester ici. Tiens, pourquoi ça m'a enlevé mon Matoc 3? Ah, du coup, c'est lequel qu'il faut que je prenne? C'est celui-ci. Celui-ci qui est modé, voilà, donc on prend celui-ci. Donc le Valkyrie 2 avec un mode chargeur et la lunette malheureusement, mais j'ai rien d'autre à mettre autrement. Après j'utilise là le Predator 1, mais je sais pas si on n'aura pas mieux, non. Faudra peut-être que j'en crée un, tiens aussi d'ailleurs. Juste un doigt. Faudra peut-être que j'en crée un. Merci à ProGaming bien sûr pour son auto-host, ça fait plaisir. Merci le pote. Faudra peut-être que j'en crée un. En plus on a un peu de poids, hein. On a justement des aptitudes maintenant qui nous permettent de porter plus, donc à voir ce qu'on pourrait avoir en plus, voilà. Allez, on retourne on sur. Approche de la ZA. Calme-toi, Jean-Michel. On retourne sur Vold. Si le jeu veut bien y retourner, apparemment. Les petits freeze. Et non pas des Mr. Freeze. Alors je sais pas pourquoi, j'ai des freezes, mais c'est des freezes dus aux cinématiques et non pas au jeu. Hein. Dans le jeu ça va, mais sur les cinématiques, oui. Donc je sais pas pourquoi. En tout cas, on y va, il fait moins 52 degrés, donc on va essayer de se dépêcher. On prend bien sûr la technique de Technob qui nous a dit qu'au niveau des lumières, normalement il faisait beaucoup moins froid. Et on va essayer de pas perdre trop de temps. Oh
Alors par contre, il va falloir que je me réhabitue à mes nouveaux pouvoirs maintenant, puisque j'ai plus la grenade, j'ai plus la télékinésie comme je l'utilisais avant, donc il faudra que je fasse gaffe à ça. Ok, à côté de ces lumières-là, il fait moins 30, donc on prend un petit peu de chaleur, ça c'est cool. Donc c'est ces lumières-là, c'est pas les petites loupiottes comme ça, hein, c'est juste ceux-là, d'accord. C'est des radiateurs, ça, en fait. Ok. D'ailleurs, on peut le scanner ou pas? Eh ouais, on peut le scanner. C'est un radiateur solaire, d'ailleurs, voilà, c'est un radiateur solaire, donc il sert à ça, justement. Ok, allons-y. Je détecte une importante chute de la température. Ah oui, mais non, je suis au courant, Jean-Michel, hein, il fait moins 60, mon gars, donc je suis au courant. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Ok, c'est les paramètres les acceptables. Les systèmes de survie sont stables. Ouais, bah pas pour longtemps, t'inquiète. Donc normalement, m'a dit Technop, il y a énormément de quêtes à prendre ici, mais ça se trouve, c'est peut-être une fois que j'ai ramené la Moshae, peut-être. C'est peut-être sûrement quand j'ai ramené la Moshae, parce que là, je vois pas... Bonjour, si, exploratrice. On a des quêtes. Okay. Ok, on se met à côté de là. Bonjour. Ça va exploser dès que vous l'allumerez. N'exagérons rien. J'ai l'habitude de faire ça. Ok, alors on va mettre, on va afficher la carte parce que j'ai l'impression... Ah ouais, d'accord. Ok, il y en a partout. Ça c'est quoi? Localiser le commandant de la résistance. Rencontrer Riley Survold. Ok. Faut qu'on achète un truc hein, pour PB ici d'ailleurs. Histoire de la pécho, hein, bien sûr. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on va essayer de pécho Phoebe. Enfin, Phoebe. C'est pas Phoebe d'ailleurs, c'est Phoebe. Donc allez, on y va. Le général. Ah, conteneur, bonjour. On prend tout. J'ai entendu parler de l'embuscade des guerres. Ravi de vous revoir, commandant de Xil. Ravi de vous revoir aussi, Jal. Vous devez être la pionnière qui a sauvé la Moshae. Je m'appelle Anjik d'Oxil. Je suis le commandant de ce campement. Vous êtes la bienvenue ici en tant qu'alliée des Angara. Merci pour cet accueil plein de chaleur. C'est une blague. Pour briser la glace. Vous comprenez? Plein de chaleur. La glace. J'appelais ça une blague. Sûrement un problème de traduction. Peut-être. Blague douteuse à part, j'espère que vous rejoindrez le combat contre les cartes. Votre aide serait la bienvenue. On tient les cartes à l'écart, mais on n'a pas réussi à leur asséner le coup de grâce. Plus ça dure et plus ils risquent de prendre l'avantage. C'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Si vous voulez savoir où vous pouvez nous être utile, rendez-vous au poste de guet qui surplombe la vallée. Nos guetteurs sont les premiers à savoir tout ce qui se passe sur Völd. Avant que vous partiez, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que je puisse faire pour vous? Bah écoute, on va discuter. Comment vous vous en sortez face aux cartes? Ça n'a pas été facile. On a eu nos victoires, mais nos effectifs sont limités. Trop limités. Ephra n'a pas envoyé de recrues. La plupart sont jeunes, inexpérimentés. Si on veut battre les Kertes, on a besoin de médecins, de techniciens et de combattants entraînés. On va vous aider, Ryder et moi. Ah bon? Si le commandant a besoin de recrues, on va les lui trouver. Je suis une étrangère. Comment je peux convaincre qui que ce soit de rejoindre votre résistance? Vous êtes peut-être une étrangère, mais Jal est un soldat aguerri et passionné. Il a inspiré beaucoup d'entre nous à prendre les armes. Et vous? Vous êtes l'héroïne qui a sauvé notre Moshae. Ça peut faire la différence. Jal a raison. On peut vous trouver du monde. J'accepterai tous ceux que vous m'enverrez. Je vous remercie tous les deux. Ok, très bien. J'ai rencontré Ephra. Il est... intéressant. Intéressant. Il fait rarement bonne impression la première fois. Il peut être austère, mais la Résistance a besoin de quelqu'un comme lui. Ephra a transformé un groupe de combattants civils désorganisés en une armée efficace. Les quelques victoires qu'on a remportées contre les Kertes, c'est à lui qu'on les doit. La plupart des gens semblent lui vouer un profond respect. C'est parce qu'il ferait n'importe quoi pour son peuple, et il nous inspire le même sentiment. On a beau ne pas être toujours d'accord avec Ephra, on le suivrait quand même jusqu'au bout des étoiles. La Résistance existe depuis longtemps? Presque aussi longtemps que les Kertes. Quand notre armée a été anéantie, les civils ont décidé de prendre les armes.
Ils ont formé la résistance dans un dernier espoir de reprendre notre territoire. On dirait que ça a marché. Seulement depuis qu'Ephra est aux commandes. Sa stratégie nous a donné l'avantage dont on avait besoin contre les Kertes. Mais la victoire est encore loin. Ok, Jacqueline. C'est tout pour l'instant. Si vous avez des questions, je reste ici. Ok, merci. Alors du coup, on a plein de quêtes à côté, donc autant les passer. Hein. Autant les passer. Donc, alors attendez, parce que là, voilà, les containers, ça on prend, nous on prend la toile biotisée, voilà, ok, on prend tout. Ça nous fait déjà d'une de l'argent, et ça nous fait récupérer aussi quelques trucs qui peuvent être intéressants En approche. On peut suivre nos frères et sœurs sur le terrain. Et pour les créations, les recherches et tout. On ne gagne pas une guerre sans une bonne organisation. C'est la planète? Tout est là-dessus? Pionnière, on m'a prévenu de votre visite. Davjakaas, chef du service des renseignements. Je suis là pour vous briefer sur Vold. Si vous avez des questions sur cette planète, c'est le moment. Ok, bah écoute, vas-y. Comment est-ce que la Résistance compte remporter cette guerre? On n'a pas les effectifs pour mener une guerre à l'échelle planétaire. On doit compter sur des frappes stratégiques. Le centre des opérations Kert sur Vold se trouve de l'autre côté de la vallée. Si on parvient à le neutraliser, ça les affaiblira. On l'espère, en tout cas. C'est une carte de Vold? Une carte vivante, oui. Chaque région de la planète y est représentée. Elle est mise à jour en temps réel dès qu'on reçoit des informations de nos contacts et de nos éclaireurs. On peut voir les Dahara les plus proches. Jara, Tekix, et enfin Djanik, le site archéologique occupé par les Kertes. Ces points brillants sur la carte, ce sont des villes? Des villes assiégées par les Kertes, oui. La plus grande s'appelle Estraja. C'était notre capitale. C'était? Difficile de la considérer encore comme une capitale quand il n'en reste plus qu'un dédale de rues vides et des bâtiments brûlés. Mais on peut tout reconstruire. On ne se résume pas qu'à nos villes. C'est bien ça, c'est bien dit. Dites-moi plus sur Estraja. Elle est la cible des récentes attaques des Kertes. Ils pensent pouvoir nous briser psychologiquement en détruisant nos murs. Les Kertes savent qu'on se battra jusqu'à la mort, mais ils préféreraient qu'on se soumette. Alors ils détruisent nos Dahara, nos toits. Ils nous chassent dans le froid en espérant nous faire céder. C'est sous-estimer les Angara. Vous avez parlé de Dahara. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, ça veut dire formation rocheuse. Un Dahar est plus petit qu'une ville, mais plus grand qu'un village. On en a plusieurs ici. Les Angara qui vivent dans les Dahara sont formés au combat, au cas où il se fera attaquer. C'est sûrement plus prudent. C'est une fierté pour eux de se défendre, mais les Kertes sont de plus en plus téméraires. Les Dahara sont leur nouvelle cible. On a dû changer de stratégie pour les protéger. Mais plus de patrouilles pour les Dahara, ça veut dire moins de raids sur les camps Kertes. Ils le savent, et ils s'en servent contre nous. Ok, intéressant. Je crois que j'ai assez d'infos. Si vous avez besoin d'autre chose, je reste ici. Mais c'était pas lui la quête. Elle est où la quête? La quête est ici, voilà. Mes excuses, Olysk, mon pilote dit qu'elle a bien effectué le largage aux données indiquées. Aux coordonnées indiquées, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez rien reçu. Je vais demander à Onaya de réessayer et à nos frais. Hors de question que la résistance meure de faim à cause d'un problème technique. Ok. Apparemment, la résistance ne reçoit pas l'approvisionnement prévu. Olysk est le responsable des dotations. On devrait aller le voir. Ok, ouais, on y va. Raelys, bonjour. Raelys? Oui, c'est moi, Raelys. Vous êtes vraiment venu? Vous avez dit avoir des infos. Il fallait que je vérifie ça. Oui, mais je ne pensais pas que vous viendriez en personne. Bref, venons-en au fait. Votre attaque sur le centre d'exaltation des Kertes a perturbé leurs opérations. Ils essaient de tout remettre en ordre. Nos éclaireurs ont signalé une augmentation de l'activité Kertes dans certaines zones de Vold. Mais rien de militaire, il s'agit de vaisseaux scientifiques. Ils pourraient être scientifiques, soldats ou, je sais pas moi, balayeurs, des Kertes, c'est toujours mauvais signe. Certains d'entre nous s'inquiètent de la possibilité de nouvelles exaltations, ou de subir à nouveau leurs expériences innommables. On n'est pas équipé pour s'introduire dans leur base, mais quelqu'un doit les arrêter. Je mènerai l'enquête si je peux. Je n'en demande pas plus, merci Ryder. J'envoie les coordonnées sur le champ. Ok, ça c'est fait. Du coup, alors attends, parce qu'il y a d'autres missions. Ça c'est quoi? Rencontre avec la résistance. Parler au guetteur de la résistance. Attends. Parce que avant, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Hein, avant d'y aller, ça vous dérange pas?
peux courir, Jacqueline, ça m'arrangerait aussi un petit peu. J'ai entendu parler de ça. Hop là, petit container. Bonjour. Du graphite. Depuis quand on fait un live à 16h ici? Salut Loustinky, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Depuis quand? Bah depuis que j'ai envie d'avancer sur ce jeu et que je peux surtout le faire. C'est tout. On va avoir besoin d'un stimulant. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est vous l'alien dont il parlait dans les transmissions, non? Non, c'est toi l'alien. C'est toi l'alien, c'est pas moi l'alien. Je suis la pionnière Ryder de l'initiative Andromède. Je viens de... Merveilleux, vous venez de loin. Vous avez des remèdes magiques là d'où vous venez? Oh putain. Rien de plus avancé que ce que vous avez ici. Je peux te mettre une claque si tu veux. Alors je me fous bien de savoir d'où vous venez. Poussez-vous. Eh bien, il est sympathique. Ryder pourrait peut-être nous aider à trouver les caches de secours. Les caches de secours? On est en pleine zone de guerre. Les Kert sont susceptibles d'attaquer à tout moment. En cas de blessure, il y a sûrement une cache de fourniture médicale à proximité. Ça ne remplace pas les soins d'un médecin, mais ça permet de survivre en attendant. Le problème, c'est que les caches sont vides. On manque d'effectifs pour aller les réapprovisionner. Il n'y a pas de temps à perdre. Je ferai ce que je peux pour vous aider. Les caisses de fourniture sont empilées le long du mur, là-bas. Vous y trouverez aussi l'itinéraire pour accéder aux caches. Vous avez un véhicule? Bien sûr. Bien. Allez-y. Ouais, bon bah j'irai une autre fois si ça te dérange pas, parce que là j'ai pas trop le temps. Alors attends, où est l'autre quête? Attends, container non? Non, datapad. Ils disent tous la même chose. La résistance ne reçoit pas son approvisionnement. Ok, c'est ici. Bonjour! Bienvenue. Vous êtes la pionnière, n'est-ce pas? Je m'appelle Roche Warline. Qu'est-ce que c'est, ces symboles sur le mur? Mon peuple vient prier ici, en privé. Et c'est moi qui donne les bénédictions. En voulez-vous une? Je ne connais pas bien votre foi. Vous semblez en effet venir de loin. La bénédiction est une simple manifestation de bonne volonté. Pourquoi vous ne pratiquez pas votre religion en public? Les esclaves des Kert n'ont pas le droit d'exprimer leur croyance spirituelle. Nous honorons leur isolement en pratiquant en privé. Et la foi atteint des sommets lorsque personne ne la voit. Ce serait un honneur. Je vous offre force et courage. A plus, Loustinky, mais ça va être passé. À la prochaine. Vous avez l'air inquiète. Oh, pionnière Ryder. J'étais en train d'offrir une bénédiction à deux de nos jeunes soldats tués par les Kert. Il y a tellement de morts et de disparus. Mais ces deux nouvelles blessures sont les plus profondes. Vous les connaissiez bien? Ils seraient encore en vie s'ils n'avaient pas accueilli la mort. Je ne saisis pas bien ce que vous dites. Ces enfants ont été influencés par une nouvelle croyance. L'âme trouve l'illumination grâce à la réincarnation. Mais certains pensent désormais pouvoir forcer les choses. Ils se jettent dans la mort en pensant renaître plus fort. On les appelle les chercheurs de gloire. J'en ai entendu parler. Je ne crois pas en connaître. La réincarnation est une idée réconfortante, mais de là à mourir pour l'atteindre? Cela a des conséquences. Si vous rencontrez ces chercheurs de gloire, faites tout votre possible pour les sauver de la mort. C'est tout ce que nous pouvons faire. On peut les tuer ou pas? Comment est-ce qu'on devient prêtresse? Au fil de terribles épreuves. Seuls ceux qui connaissent les ténèbres peuvent mener les autres à la lumière. Chaque semaine, j'offre mes paroles à ceux qui les cherchent. Ils rapportent mes mots à leur famille, afin qu'ils trouvent tous la force qui m'a fait défaut autrefois. En quoi est-ce que vous croyez? En la croissance infinie d'une âme qui se réincarne au sein d'une famille. Une action vertueuse dans cette vie engendre l'éveil spirituel dans la suivante. Ce qui permet aussi de renforcer la dynastie. Qu'est-ce qui arrive à l'âme des Angara exaltés? C'est un véritable drame pour nous. Elle ne peut regagner la dynastie familiale. Nous la perdons pour de bon. Ok, au revoir. Merci. Bon, bah du coup, là, on a pris toutes les quêtes, c'est bon, normalement, si je dis pas de conneries.
Ah non, du coup, on a une là, c'est quoi? Les caches médicales, ok. Voilà les fournitures médicales de secours dont parlait le médecin. Il faut qu'on les apporte aux caches. Sam, tu enregistres les coordonnées? Bien sûr, pionnière. Ok, c'est bon. On a des tapales. Ça serait pas à lui, là? C'est pas un marchand, lui? Maisie, ok. Jal, tu reviens parmi nous? Brièvement. Et ces gens, ce sont ceux dont j'ai tellement entendu parler? Vous savez que si Jal n'était pas là, je pourrais vous tuer. Oui, bah moi aussi. Voici mon amie, Maisie. Elle aide la résistance à s'approvisionner. Ça ne doit pas être facile par ici. C'est Jal le plus courageux d'entre nous. Comment vous faites pour vous approvisionner avec ces cartes partout? Les marchandises arrivent par le même chemin que nous. Il y a des cavernes et des chemins cachés partout sur Völd. L'approche aérienne est difficile, alors mes enfants apportent la plupart des articles en passant par les cavernes, petit à petit. Vos enfants? Grâce à leur petite taille, les cartes ont du mal à les détecter. Ici, on fait tous le nécessaire, même les enfants. C'est de l'exploitation, madame. Qu'est-ce que vous pensez d'Ephra? Certains disent du mal de lui, mais son plan est ambitieux et la résistance est importante. Je ferai tout mon possible pour l'aider tant que j'en suis capable. Vous avez quelque chose à vendre qui pourrait nous être utile? Il ne me reste presque plus rien. Le peu que j'ai, on en aura besoin si on veut avoir la moindre chance contre les Kert. Peut-être que si vous détruisez le poste Kert de la route sud, je pourrai faire venir plus de stock et vous en laisser un peu. Eh ben bonne ça, chance. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ça pour et vous, récupérer ce que Pibi a besoin. Un seul morceau. Pour récupérer ce que Pibi a besoin, du coup. À moins que ce soit lui qui le vend. Si vous avez besoin de soins, il va falloir attendre. Une patrouille vient de rentrer, il faut que je m'en occupe. Vous n'avez personne pour vous aider? Les médecins volontaires sont difficiles à trouver. Surtout ceux qui arrivent à supporter Völd. Il fait plutôt bon ici. Le chauffage marche bien? Le chauffage n'est pas la fonction première de cet équipement. Il génère un soleil artificiel pour nous éviter de nous obscurcir. Comment ça, vous obscurcir? C'est vrai. Vous ne pouvez pas le savoir, j'imagine. La lumière du soleil permet à notre corps de produire de l'énergie. Si on n'en a pas assez, notre système immunitaire flanche et notre bioénergie ralentit. On s'obscurcit. Ok, très bien. Ça ne doit pas être facile de vivre dans un endroit pareil. Entre le froid et le manque de soleil, c'est difficile de garder le moral. Pour la plupart, on vient d'Aya ou d'Avarl. Ça fait une grosse différence. Les gens tombent malades parce que leur système immunitaire décline. Mais si les civils des colonies arrivent à vivre ici sans se plaindre, on en est capable aussi. Ok, bah écoute, salut. Je reviendrai s'il me faut quelque chose. Je ne bouge pas d'ici. On va du coup... Maintenant, il y a ça. Parler à Olisk. Où est-ce qu'on se barre ici? Ah oui, ici. Non, pas ici. Pionnière, je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes le responsable des dotations? Il paraît que vous avez des problèmes d'approvisionnement. Bien sûr que non. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais tout va pour le mieux. J'ai vu les messages que vous avez reçus. Qu'est-ce que vous cachez? Ne parlez pas si fort. Je dois à tout prix éviter que la nouvelle s'ébruite. Personne ne sait que les envois n'arrivent plus. Si les autres l'apprenaient, ce serait désastreux pour leur morale. Il faut que j'enquête discrètement. Vous avez des pistes? Pas vraiment. Le ravitaillement arrive bien sur la planète, mais jamais jusqu'à la base. Ce sont les Kert, c'est évident. Le sabotage, c'est bien leur genre. On a changé de site de largage, mais en vain. Si j'envoie quelqu'un enquêter, tout le monde sera au courant. Mais j'ai bien peur que ça finisse par devenir inévitable. Je peux aller jeter un œil au site de largage? Comme ça, personne ne paniquera? Je ne peux pas cautionner une enquête officielle,
mais je peux pas non plus vous empêcher de fouiller de votre côté. Les coordonnées du site de largage actuel se trouvent dans ma console personnelle. Vous avez l'air de vous y connaître en décryptage. Alors je vous laisse vous débrouiller. Ok, on y va. Pas de problème, moi je décrypte. Tchal, mon ami. Bienvenue, mon frère. Décryptage terminé, pionnière. Je vous marque les coordonnées du site de largage. Merci. Et là, du coup, on n'a plus rien à faire. Aller au site de largage, impeccable. Par là ? On va se peler les miches, on va se peler les miches. Oh shit! Ah ouais, d'accord. Il y en a de la merde à faire. C'est quoi? Rencontre avec la résistance, pas le ghetto de la résistance, vas-y. Vu qu'on est là. Autant le faire. Mais c'est moi. Bonjour. Oula, je voulais pas vous faire peur. Nom d'une étoile, c'est la pionnière. Ouais, on a entendu c'est dire moi. Que vous aviez éclaté les cartes. Vous leur avez fait ravaler leur exaltation. Hallucinant. La ferme, Beniska, tu me fais honte. Toi, la ferme. Je suis charmante, pas vrai? Les Angara ont été formidables avec nous, vous y compris. Alors merci. Tu vois, Tzik, on est déjà potes. Alors, comment ça se présente on ici? On est des potes. Des conseils? Pour commencer, vous pourriez rejoindre le combat à Jara, où vous voyez ces lumières rouges. Il paraît qu'ils ont besoin d'aide. Ou vous pourriez simplement aller tuer des Kert là-bas. Il y en a partout. Vous voulez savoir autre chose? On est des experts. Ça fait une éternité qu'on est postés ici. Ces lumières rouges, vous dites que c'est Jara? Oui, la station Jara, un des Dahara de la vallée. C'est une petite communauté, essentiellement des scientifiques. Si vous n'y êtes pas déjà allé, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Comment vous faites pour survivre ici? On s'est adapté au climat. C'est si étonnant que ça. Ces lumières attirent l'attention. Les cartes ne les attaquent pas? On s'est adapté à ça aussi. Les cartes veulent nous capturer vivants, donc on se bat jusqu'à la mort. Ça a l'air de les dissuader. Qu'est-ce que c'est ce complexe alien sur la montagne là-bas? C'est le centre de commandement des Kert. On le surveille en permanence. À quoi est-ce qu'il sert? Il contrôle les opérations des Kert sur toute la planète. Leur vaisseau n'arrête pas d'aller et venir. Je me suis retrouvée nez à nez avec la préfète. Une vraie Vezane, sans foi ni loi. Même les Kert avaient l'air d'en avoir peur. Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur elle. Vous connaissez des ruines ou des sites reliquats? Je crois... En fait, je ne sais pas. Zeke, tu lis jamais les infos? Non. Quand il y a quelque chose d'important, tu me le dis. Et donc, c'est où? Les lumières en hauteur, sur votre droite à un moment donné. Je vous laisse travailler. Faites attention à vous. Sois prudent aussi, Jala Madarav. Est-ce que ta sœur s'est rétablie depuis sa mission? Elle a eu du courage. Beaucoup de courage. Oui, elle est rétablie et courageuse. C'est gentil de demander. Tempête, on va avoir besoin du nomade, sur ma position. Déploiement de la station avancée. Bonne chance, Ryder. Merci. Alors, on a des nouveaux Pwings. Du coup, c'était dans Biotique que j'avais pas tout mis. Parce qu'il me semble dans Technique, je suis à 4 et 4. Ouais, c'est ça, donc Biotique. Zone d'effet ou durée? Non, zone d'effet. Ouais. Voilà. Ça fait quoi ça? Les dégâts et la force des pouvoirs biotiques augmentent à chaque point de compétence investi dans la catégorie pouvoir biotique. Ouais, bon, ça on s'en doutait, merci. Permet à un biotique d'infliger un maximum de dégâts directs et indirects à ses ennemis. 7% de dégâts des pouvoirs biotiques. Ah, ça peut être cool du coup. Comme ça, on dépense les 3 points. Et le truc, 7% de dégâts des pouvoirs biotiques, ok. Impeccable. Sentinelle rang 3, cool. Du coup, rang 3, ça fait quoi? Alors 25% de dégâts tous les combos, 20% de vitesse, 30% de réduction du coût en bulkier des pouvoirs, 30% de restauration et défense des pouvoirs.
absorbe une importante quantité de dégâts que les boucliers n'ont pas encaissé. Cool. C'est bien sympa ça. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Je détecte un froid extrême pionnière. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Ok Sam, qu'est-ce que veulent de nos réserves? L'activité Kert semble concentrée autour de ce grand poste de commandement central. D'après les informations de la Résistance, la base coordonne toutes les actions militaires des Kert sur Völd. En le détruisant, on paralyserait leurs opérations. En théorie. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées par la Résistance Angara pour infiltrer la base, la tâche ne sera pas aisée. Je recommande une approche plus prudente, qui commence par l'inspection d'installations Kert de plus petite taille. Et les Angara, la Résistance, ils en sont où? Les dépêches de la Résistance indiquent que quelqu'un a besoin d'aide à Jara. Nous pourrions aller à Tekix, un Dahar Angara plus grand et plus établi qui se trouve dans les environs. Bonne idée, merci Sam. Pionnière, la température sur Völd est largement négative, et certains endroits connaissent des conditions encore plus sévères. L'utilisation du nomade sera nécessaire. Je vous recommande d'éviter toute exposition prolongée au froid. Ah, c'est pas bête ça. Compris. Alors, donc, du coup, on évite les accidents. Il fait moins nos 60 à certains endroits, mais il fait pire encore à d'autres ce endroits. Qui suggère cool. La présence d'un caveau. Bon, c'est le même système que sur Eos, quoi. En gros, il y a des radiations qui sont gérables, et après, à un moment donné, tant qu'on n'a pas découvert, enfin, bon, tant qu'on n'a pas planche. Débloqué toutes au les boulot. Quêtes ou d'autres armures, on peut pas avancer plus loin parce que les radiations sont plus loin, et là, ça sera le froid, quoi. Ok. Ah oui, j'ai amélioré le nomade aussi, du coup, pour que ce soit plus, plus sympa. Les yeux rivés au sol. On va aller à Jara, hein, c'est parti. On se marre bien plus dans les descentes. Faites-moi confiance. Suivez les lumières, Ryder. C'est... qu'est-ce que j'avais compris, hein. Là, faut tourner, je crois. Ah non, faut tomber. Voilà. La température est de retour à la normale. Wow! Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma voiture? D'extraire des ressources dans cette zone. Ouais, vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Un peu de manœuvrabilité, votre véhicule. Je vais faire demi-tour si vous continuez. Ouais, ferme ta gueule. Alors attends, est-ce qu'il y a de l'eau là? On peut y aller ou pas? Ouais, c'est de la glace en fait. En même temps, de l'eau à moins 60, oui, c'est normal. Pionnière, je détecte un camp Kert à proximité. Ouais, on s'en fout. Mais laissez mon véhicule tranquille, bordel! Ah tiens, on peut l'écraser ou pas, lui? Oh! Ah oui, il est costaud, lui, hein. Il était hyper costaud, le petit bâtard. YOLO! «
Jara est une station de recherche qui étudie principalement la géologie de Völd. Voyons voir si quelqu'un a besoin d'aide ici. Condition sûre. Relâche Kétal. C'est pas toi qui veux de l'aide. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose. Bon, déjà, on va récupérer ça. Ah, apparemment, faut que je... Il y a de la glace partout, mais c'est ce bloc qui les intéresse. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Quelqu'un par ici sait sûrement à quoi sert cette glace. Je crois que nos chercheurs forcent cette glace pour l'étudier. On ne peut pas attaquer une basse carte comme ça. Bonjour. Donc tu... Par les étoiles, c'est vous. Oui, c'est moi. Vous avez sauvé la Moschée. Oui. On en a tous entendu parler. D'accord. Frapper les cartes là où ça fait mal, ça a fait beaucoup de bien à notre morale. Très bien. Ça rime en plus, t'es poète. Le mérite ne revient pas seulement à moi. Je n'aurais rien pu faire sans la résistance. Notre combat contre les cartes nous a unis. Ma grand-mère disait souvent que les familles naissent autant du sang versé que du sang partagé. Très bien. Vous voulez tuer d'autres cartes ? Oui. J'ai besoin d'aide pour secourir mon oncle Nihilj. Je ne suis pas formé au combat, sinon j'irai moi-même. Si les Kert le transfèrent hors du camp de travail, on le perdra pour toujours. Très bien. Il est où ? À quoi sert un camp de travail Kert ? À plusieurs choses. D'abord, ils mettent les gens dans des cages. Parfois, ils les font travailler. Des fois, ils rassemblent des angaras jusqu'à ce qu'ils en aient assez, et puis ils les emmènent ailleurs. Et d'autres fois, ils se contentent de les tuer. C'est comme ça que mon père est mort. Merde. Navré, gamin. Ça sert à rien d'être navré. Oh, le petit dracoon. Évitez-moi plutôt de perdre un autre membre de ma famille. Un autre membre de ma famille. Je vais sauver votre oncle. Voilà les coordonnées du camp de travail. Dépêchez-vous, il lui reste peut-être plus très longtemps. C'est parti. Je détecte des températures inférieures. Oui, mais on sait, il fait froid. Ok, c'est par là-bas. À la normale. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Bon, alors ça c'est cool. Des zones minières sont disponibles dans cette région pionnière. Je les ai ajoutées à votre système de navigation. On va essayer de passer par la montagne. Ah. Attends. Pionnière, oui. Il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Okay. On récupère du cuivre. Attends, là, il y avait du bec benzène, là. Enfin, du BE. C'est quoi du BE ? Oh là là, oui. Beryllium, voilà, impeccable. Oh, yalla. Ok, c'est par là-bas. On dirait de la technologie Kert. Ouais, on viendra un autre jour, ça me dérange pas. Je respecte beaucoup les Angaras. Leur manière de combattre est presque crogane. Ils ne sont pas du genre à se laisser faire. Comme beaucoup des miens, je n'ai jamais vu le monde sans Kert. La résistance se bat pour que nos enfants connaissent un jour la liberté. Attention, il y a peut-être des reliquats dans le coin. C'est le camp de travail Kert dont parlait Skeot. Il faut qu'on trouve Nihilj. Oh, on se calme. Je crois que c'est bon. Pouvez-vous libérer ?
récupéré? Le panneau de commande est là-bas. Désactivez la barrière. Allez mon pote, ça dégage. Ok, ça c'est l'Avengers. Allez, salut! Arrêtez de me tirer dessus, bordel! Dès que j'ai une arme, je massacre tous ces kertes! Par contre, je suis bloqué, on en parle ou pas? On en parle ou pas? Non mais c'est pas drôle. Sérieusement, t'es sérieux là? Je suis bloqué, je peux rien faire. Magnifique. Voilà des guerres. Ok, j'ai plus rien qui marche. Ok, bonjour. S'il vous plaît. Ok, c'est bon, c'est revenu. J'étais peut-être sur la console en fait. Je détecte des températures inférieures à la normale.
Ok. Allons sauver tout le monde. Ah, par contre, j'ai plus de munitions ici, donc ce serait cool. Sortez-moi de là. Qu'on en récup. Je vais les tuer, Kert. Ouais, vas-y, t'as qu'à faire ça, ils sont tous morts par contre, hein. Je sais pas si ça te dérange ou pas, mais... On les a déjà tous tués. Ah, des mines, ça c'est... Désactivez la barrière, il faut que je sorte. Oui, t'inquiète pas, Michel, je suis là pour ça. Livre. Oui. Désactivez la barrière, vite. Oui, vous inquiétez pas, les kikis, je suis là. On va sortir comme ça. Ah, apparemment, c'est à lui qu'il faut que je parle. Eh, hey, reviens, reviens. Eh, hey, Michel. Michel, reviens ici. Michel. Bonjour, Michel. Arrête de faire l'enfant. Michel, arrête de faire l'enfant. Michel, reviens. Reviens. Michel. Bonjour à Michel, faut que je te parle. Juste à temps. Je nous aurais donné une journée de plus, grand maximum. Il faut dire que les pics des Rana ne nous ont pas aidés. C'est pas ma faute si les cartes peuvent pas supporter une ou deux petites insultes. Vous voyez ce que je veux dire? On vous doit une fière chandelle. Comment vous nous avez trouvés, d'ailleurs? Votre neveu, Skirt, essayait de trouver quelqu'un pour vous secourir. Brave garçon. Il a du potentiel, Nilj. Tu me l'as déjà dit. Il faut qu'on fasse notre rapport à la Résistance. On va retourner à la base dès que possible. Et le disque de données? Il faut qu'on l'apporte à Buxil pour qu'elle puisse commencer l'analyse. On dirait que notre sauveteuse va devoir faire plus que nous sauver. Enfin, si elle le veut bien. Je le vous pouvez apporter bien. Ce disque à Tekix. Si on travaille ensemble, on gagnera du temps. Qu'est-ce qu'il y a sur ce disque? Un code Kert qu'on a volé en essayant d'infiltrer leur centre de commandement. Les Kert n'ont jamais remarqué tout ce qu'on avait téléchargé sur leur réseau. Je vais faire aussi vite que possible. Parfait. Buxil devrait être dans son atelier. J'espère qu'on se reverra, et dans de meilleures circonstances. Ok. Alors, est-ce qu'on a des... Putain, on a une quête ici, c'est quoi? Allez, au site de largage. Putain, on est trop loin maintenant, quoi. Là, on a une quête à prendre. On pourrait se TP, d'ailleurs. Cora Harper, l'archassari. Ah, tiens, l'archassari est ici. Zone minière ordinaire riche. Non, la quête, je veux, moi. Si tu peux mettre la quête. Déclencheur de souvenirs. Ah, intéressant. Ah, le projet secret de Pibi, c'est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP ici. On va aller faire ça. Non, je vais pas mettre un point ici. Je vais me TP ici, c'est possible. Ok, on va attendre ce que ça trouve. Faut que j'attende que la quête se mette à jour. C'est bon. Y a moyen de... Voilà, merci. Quand même, c'est chiant. Non mais où? Voiture. Allez, c'est parti. Les températures sont négatives et continuent à chuter. Parce qu'après c'est par où? En gros ce serait par là, hein. Pas en face. Possible d'extraire des ressources dans cette zone. Ouais. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière.
éliminer les requins. Ils sont pas bons. Pourquoi est-ce que des Angara nous attaquent? Pionnière, je détecte un datapad dans les environs. C'est fait. C'est bon. Allez, prochaine mission, du coup on va aller là, hein, on va aller chercher cette mission là. Bah on peut se TP directement, ça sera plus simple. Donc on est à côté. C'était autrefois couverte de prés fleuris, avec des couleurs pour lesquelles il n'y avait même pas de nom. Pensez ce que vous voulez, mais je trouve cette planète magnifique. Ça me fait penser à cette lune gelée où je me suis retrouvé coincé une fois. J'ai bien failli perdre mon orteil. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Ouais, c'est à l'intérieur. Comment se passe le forage? On n'arrive pas à atteindre une profondeur suffisante pour prélever un échantillon. Rider, c'est ça. La classe est trop épaisse. Oh, j'aurais bien discuté. Avec un équipement de meilleure qualité, j'aurais fini. Il faut que j'arrive à faire marcher cette saloperie de machine. Ça fait des jours qu'elle capte des interférences bizarres. Je peux pas transmettre mes données à nos collègues de Tellara. Je peux faire quelque chose? Peut-être. Je pensais pas que nos machines vous seraient familières. Il faut que je fasse une pause, sinon je vais finir par tuer quelqu'un. Si ça vous tente, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Bah, on va essayer. Un dispositif de communication à haute puissance, sans doute destiné à couvrir toute la planète. D'accord. Et ces interférences dont le chercheur a parlé? Je détecte un signal. Il est faible, mais cet équipement est très sensible. Pionnière, j'observe également un schéma régulier dans ce signal. Il est peut-être d'origine artificielle. Ce serait les Kertes. Les Kertes perturberaient nos transmissions. Je pense, ouais. On va aller chercher ça d'abord si ça vous dérange pas. Il faut qu'on se penche là-dessus. Ok, ça roule de la montagne. Extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Là, je t'avoue que ça va être chaud, non, t'as fait. Non, ça passe. Il est là-bas. Sam, c'est encore un déclencheur de souvenirs? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur... Pas de problème, on va y aller. Du coup, ici, la prochaine quête. On avance bien, hein, je suis content. Putain, mais quand je vois tout ce qu'il y a, c'est quoi qu'on va faire? Ah, l'arche à série.
Ok, c'est sur la montagne là-bas. Non, c'est bon, ça passe. Regardez ça. Les reliquats ont envahi les lieux. Allons voir. Non, non, on n'ira pas voir, faut pas déconner. Vous aviez prévu de vous installer ici. Votre peuple a l'air plutôt sensible au froid. Drac, sérieusement, Drac. Je pensais que ce serait le Périphona. Il se peut que les dépôts de glace et de minéraux donnent de faux positifs. Le vrai signal doit être relativement proche. Relativement proche. Ah ouais, mais c'est pas à côté non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Et on va aller là aussi. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Certaines de mes prothèses sont pas conçues pour des températures aussi basses. Ça va, il fait pas si froid que ça non plus. Vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction? Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Je détecte des températures inférieures à la normale. Des machines Kert, faites gaffe. Ça glisse sur la glace, c'est excellent. On approche. C'est la source de cette interférence? On dirait une météorite. L'interférence est provoquée par les radiations électromagnétiques qu'elle émet. Je détecte. Tu détecteras plus tard. Voilà dit à dit. Comment on fait pour l'éteindre? Peut-être qu'un scan vous en dira plus, pionnière. Pionnière, je peux modifier votre omnitech pour atténuer le signal. Allez, dépêche-toi. Les voilà! Allez! Protégez-moi, bande de clans. Butez-moi ce con là. Ah ça c'est cool, par contre ça reprend plus vite que... Snyder, mon peuple appelle ça une gemme du fléau. En traversant le fléau, ces roches s'imprègnent plus ou moins de sa nature. Il n'y en a pas deux identiques. Certaines sont très belles et très dangereuses. Je suggère de l'envoyer au Nexus pour la faire analyser. Elle pourrait nous offrir des informations sur le fléau. Je suis d'accord. Ouais. Perturber les communications, affoler la faune. On ne peut pas laisser tout ça de côté. Il faut l'étudier de près. Espérons que les scientifiques de Jara n'aient plus de problèmes de communication.
Ok, bon, du coup, on est à côté du signal là. Ouais. On va y aller. Ah, ouais, d'accord, ça va être un faux signal encore. D'aider les Angara à se débarrasser de ces cartes, on le fera. Déposez-moi là-bas et je me fais tous ces fumiers en solo. Il s'est enlevé le point du coup ici. Non, il veut pas s'enlever. Ok, attends, je vais prendre la voiture, ça a l'air d'être super loin en fait. Je me suis renseigné sur l'histoire des Krogan et j'aurais quelques questions. Faites gaffe, on a un dicton chez les Krogan. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ah, les Krogan aussi? Vous n'êtes pas né dans le clan Nakmor et pourtant vous en faites partie. Faux signal, un de moins. Ok, c'était juste là. Du coup, c'est quoi ça? PB. Ou alors on va d'abord faire ça. C'est quoi ici? Rencontre avec la famille. Non, on va aller faire pipi d'abord. PB, pas pipi. Ok, par là-bas, 1 km, c'est parti. Un appareil de stockage de données Angara est toujours actif. Ça mérite un coup d'œil. Voilà les ruines qu'on cherchait. Trouvons du matériel pour Pibi. Devant, reste pas devant Jean-Michel. C'est con de rester devant quand je tire, monsieur. Ah, ok, faut que je décrypte ça d'abord. Très bien, trouvons ces glyphes. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Je ne détecte pas d'autres glyphes dans les environs. Avec un seul glyphe, il faut qu'on le trouve là, c'est ça qu'il est en train de me dire, Jean-Michel? Ok, bon bah allons-y. Alors, chaque glyphe ne peut apparaître qu'une seule fois par ligne et par colonne ou par forme délimitée. Ok. Alors, ok, d'accord. Ok.
On sait qu'ici on pourra pas avoir ça. Parce que là il y a déjà, donc c'est ça. Voilà. Donc ici on sait qu'on aura ça. Du coup ici on sait qu'on aura ça. Ici on sait qu'on aura ça. 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 Et ça. Oh là là là, je suis trop balèze. Je suis trop balèze. Ça doit être la Relitech dont Pibi a besoin. De la Relitech? C'est Pibi qui lui donne ce nom. Chaque fois qu'on tombe sur ce genre de ruine, il faut qu'on récupère tout ce qu'on peut. Je vais lui apporter ça. Avec un peu de chance, elle me dira sur quoi porte son projet secret. Et avec un peu de chance, je pourrais la serrer. ma voiture, par là-bas. Je pourrais faire du gouloum gouloum dans la casa. Non, non, je déconne, c'est bon, c'est bon. Allez, allons-y là-bas. On dirait un poste de garde. Il y a un dar là-bas. On les a sûrement informés de notre venue. Je ne pense pas qu'ils tireront. Ah bah, j'espère. Dites, vous pourriez me donner un coup de main? Il y a un prédateur camouflé près de vous. Je ne le vois plus bouger. Vous pourriez le trouver avec protocole votre scanner et me dire où il se cache. Activé. Déploiement de la station avancée. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Putain, il est loin, sérieusement. Vous pouvez pas le dire avant, le mec. Trouvé, par ici. J'ai passé la journée à le pister. Merci de votre aide. Est-ce que j'ai le droit de faire la connaissance du sniper mystère? Je vous dois bien ça. Venez me voir. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Vous voilà. Joli tir là-bas. Merci. C'est mon père qui m'a appris. Dès que j'ai eu l'âge de tenir une arme. La vie doit être rude dans les parages. Il a bien fait. Il est toujours prêt. Il a veillé à ce que je sache tirer, chasser et monter un campement. Ça vous arrive de tirer sur des reliquats par ici? Je n'en vois pas très souvent. Il paraît qu'il y en a un gros quelque part, mais je l'ai jamais trouvé. Ah, il y a un architecte ici aussi. Super. Les cartes viennent souvent par ici? Quelques-uns seulement. Les patrouilles de la Résistance font bien le ménage. Je me charge de ce qui reste. En général, ce sont des prédateurs, comme celui que vous m'avez aidé à tuer. Ça vous arrive d'en rater? Rater une cible? Jamais. Vous avez déjà pensé à rejoindre la Résistance? Vous leur seriez très utile. J'aimerais bien, mais ma famille ne me le permettrait jamais. Pas après ce qui est arrivé à mon frère. Ton frère aussi était tireur d'élite, Erav. Comment est-ce que... Jal? Par les étoiles, vous étiez amis? C'était quelqu'un de bien. Il s'est battu corps et âme pour son peuple. Je veux suivre ses traces. Mais ma famille... La décision n'appartient qu'à vous. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Je veux me rendre utile. Alors dis-le. Je connais ton père. Il t'écoutera. Tu as raison. Il est temps que je parle à ma famille. Système de survie rétabli. Allez, un résistant de plus.
La température est en baisse, pionnière. Quoi, une quête ici, t'es sérieux? Je me fais du souci pour elle. Ah oui. Ça va. Bonjour. Vous venez observer les Yevara? Oui, tout à fait. Les Yevara? Qu'est-ce que c'est? Marchez sur le lac gelé et vous les verrez sous la glace. Elles vivent sur Völd depuis des millénaires. Ah, c'est ça qui font ce bruit-là? Les seuls contes folkloriques Angara qui aient survécu au fléau sont ceux qui parlent des Yevara. Ce sont des créatures intelligentes et magnifiques. Je me fais du souci. Et notre lien le plus étroit avec notre passé. Et maintenant, les vôtres vont les mener à l'extinction à force de les chasser. Et c'est de ma faute? J'ai raté quelque chose? 2 douzaines de Yevara ont été tués depuis que des hors-la-loi de votre espèce sont arrivés sur Völd pour chasser. On n'a pas les ressources nécessaires pour pister ces braconniers et la résistance est trop dispersée. À cette allure, notre seul lien avec notre histoire va disparaître à tout jamais. Ok. On fera notre possible pour vous aider. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Il faut faire vex. Vous avez dit que vous aviez des contes folkloriques qui parlaient des Yevara. Allez savoir pourquoi, seuls les contes sur les Yevara ont survécu au fléau. Elles ont presque toutes le même thème. Le chant d'une Yevara est si beau qu'il peut faire apparaître le soleil ou les étoiles. Ce ne sont que des légendes, bien sûr. Mais puisque toute notre histoire est perdue, les légendes nous sont précieuses. Je comprends pourquoi les Yevara sont aussi importantes pour vous. Pour tous les Angara, elles représentent ce dont le fléau nous a privés. Il n'est pas question de les perdre. Parlez-moi des Yevara. Ce sont des créatures remarquables, capables de communiquer par le biais de chants complexes. Il y a bien longtemps, on aurait pu entendre ces chants, nous aussi. Mais le fléau a piégé les Yevara sous la glace. Oui, mais c'est, alors, c'est des baleines, quoi. On doit se contenter d'enregistrements pleins de parasites. Comment est-ce qu'elles survivent sous la glace? Personne n'en sait rien. On a consacré notre vie à les étudier, et on n'a toujours pas trouvé la réponse. Elles sont coupées de toute nourriture ou apport en oxygène, et pourtant elles sont encore là. Ma collègue a une théorie. Ce seraient des reliquats. Mais bien sûr, on n'a aucun moyen de confirmer cette hypothèse. Très bien. Je vous laisse travailler. Isharai. Bon, c'est bon, je peux finir ma quête là ou pas? C'était Kix, d'après ma carte. On devrait aller parler à Buxil de son frère. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Système de survie à 100%. Je n'arnaque personne. Pensez du lit. C'est un lit. Toujours. Pour mieux que de dormir sur la glace, dans le noir. C'est vrai qu'il fait noir. Heureusement que Marie va. Putain, c'est à l'extérieur, putain. Ah, oh, putain. Vous êtes l'alien qui a sauvé la Moshae. Oui, c'est moi. Vous avez tué combien de cartes? 12. J'espère qu'ils ont crié. Je ne sais pas, je n'ai pas fait les comptes. Ah ouais, tant que ça. Et Golf, cette alien est mon héroïne. Oh, je suis ton héroïne. Bon, ça suffit. Je sais qu'on vous appelle pionnière. Qu'est-ce que vous nous voulez? C'est votre prêtresse, Rochwarline, qui m'a parlé de vous. J'avais envie d'en savoir plus. Rochwarline est une vieille femme aveugle. Elle se terre avec ses bénédictions pendant que les Kert s'emparent de tout. Elle a dit que vous gâchiez votre vie. On ne gâche rien. Ce n'est pas du suicide. On s'entraîne aussi dur que n'importe qui dans la résistance.
Mais quand on n'a plus peur de la mort, on a tout à gagner et rien à perdre. J'ai hâte que ce soit mon tour, mais notre sang est encore trop chaud. Tous nos espoirs reposent sur Tej. Tej va détruire un poste Kert. On devrait bientôt apprendre la nouvelle. Et si il est chaud dans sa mission ? S'il meurt en combattant les Kert, ce n'est pas un échec. Mais s'il revient sans avoir accompli quoi que ce soit, on saura que c'est un lâche. Un cœur lâche ne mérite pas la renaissance bénie. Alors, où se trouve ce poste Kert ? Vous ne devriez pas vous en mêler, pionnière. Ne t'en fais pas, Venge. Peu importe qui tue les Kert tant qu'ils meurent. Voici les coordonnées. C'était intéressant de vous rencontrer, pionnière. Que les cieux vous éclairent. Ouais. Ils sont bien barrés, ceux-là aussi. Du coup, il y a une mission là-bas. Ça doit être toi. Il a été libéré et il n'est même pas... C'est vous, Buxil ? J'ai quelque chose pour vous. De la part de mon frère qui n'en finit plus de jouer les héros ? Oui, Anjik m'a dit que vous passeriez. Mon fils Keot m'a dit qu'il avait envoyé des gens secourir Nihilj. Je pensais que vous y resteriez aussi. Contente de voir que j'avais tort. Merci de l'avoir libéré. On a bien failli perdre des mois de travail. C'est dur de perdre un membre de sa famille. Je suis ravie d'avoir pu vous éviter un tel drame. Merci. Les gens parlent beaucoup de vos talents, mais ils oublient de mentionner votre générosité. Oh. Maintenant, voyons ce qu'on a là. Par les étoiles. C'est le plan du centre de commandement Kert. Les entrées, les sorties, la sécurité. On va pouvoir plomber leurs opérations. Attendez. Il y a autre chose. Oh. Ça, c'est pas bon. Quoi ? Les entrées de la base sont protégées et verrouillées par un code qui change, souvent. D'après les métadonnées, ils ont téléchargé ça il y a des semaines. Le code va bientôt changer. Si on veut les attaquer, c'est maintenant ou jamais. Laissez-moi vous aider. Dites-moi ce que je peux faire. Le code de désactivation des boucliers de sécurité est crypté, mais je travaille dessus. Je vous ai envoyé la carte et les coordonnées d'une entrée latérale qui devrait être moins gardée. Allez-y vite, on reste en contact. Ok. Alors attends, parce que maintenant j'ai deux quêtes aussi à prendre. Une là. Ça vous dérange pas, madame. Par contre, ça a l'air d'être en anglais. Hop là, attends, bouge pas. On peut scanner ça ? Voilà. C'est encore au-dessus, putain, sérieusement. J'ai pas pris. C'est peut-être pas au-dessus. C'est pas toi. Bonjour. Une humaine qui a fait la route jusqu'ici. Merde, il est derrière moi. Il est derrière moi, ce con. Si quelqu'un peut aider mon peuple, c'est bien vous. Vous aidez pourquoi ? Les Kert ont détruit Undar non loin d'ici, pour se venger d'avoir été chassés par la résistance. Les habitants qui n'ont pas été tués ont dû s'enfuir. Ils ont tout abandonné. Je ferai payer ces monstres pour le mal qu'ils ont fait à votre peuple. Et on vous en remercie. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai besoin de votre aide. Je suis historien. Le Dahar abritait un artefact Angara inestimable. Une carte de la Vold antique. J'ai envoyé deux de mes collègues la récupérer. Mais ils ont rencontré des problèmes là-bas. Les Kert sont revenus terminer ce qu'ils avaient commencé.
Il faut que quelqu'un aide mes hommes à s'en sortir. Ne vous en faites pas. Je vais les tirer de là. Vous nous sauvez la vie. Je vais vous donner les coordonnées du Dar. Dépêchez-vous, je vous en prie. Ok, ça c'est fait. Et du coup là, j'ai toujours une quête ici, mais elle doit être en haut de la montagne en fait. Ouais, c'est ça. Faudrait que je fasse le tour. On récupère la voiture. La voiture est par là. Les vieux os commencent à me faire souffrir. Vous pouvez pas essayer d'éviter les boss? Votre histoire est intéressante. Combien de fois votre peuple a sauvé les autres espèces de la Voie lactée? Une fois de trop pour certains d'entre nous. Ce n'est absolument pas ici. Non, non, ça doit être dedans, hein. C'est bien dedans. Ça, je crois que c'est une très mauvaise idée. C'est formidable de vous rencontrer enfin. Je suis Harry Veschek, chercheur et chroniqueur. Je suis vos activités avec le plus grand intérêt. Un chroniqueur? C'est comme un historien? En quelque sorte. Privés de notre mémoire du passé ou d'espoir pour l'avenir, nous devenons de la poussière dans le néant. C'est un merveilleux sentiment. Ce sont les paroles de ma grand-mère. C'est elle qui m'a lancé sur cette voie. L'œuvre de ma vie consiste à documenter les événements qui façonnent notre monde. L'arrivée de visiteurs venus d'une autre galaxie est, bien sûr, un développement très important. J'espère seulement qu'on ne se révélera pas être un mauvais développement. Rien de ce que vous avez fait ne ressemble de près ou de loin aux dégâts causés par les Kert. En parlant des Kert, j'aimerais en savoir plus sur la manière dont leur invasion a commencé. Ils doivent avoir des archives de notre premier contact, alors que nous, nous n'en avons aucune. Où est-ce qu'on pourrait obtenir ces informations? Les Kert sont des militaires. Ils doivent tenir des registres qui sont peut-être accessibles dans leur base de Völd. Il serait imprudent de s'en approcher, mais si vous vous trouvez là-bas un jour, essayez de trouver ce que vous pourrez. Pourquoi les Angara n'ont pas d'archives de leur premier contact avec les Kert? Ceux qui s'y trouvaient ne peuvent pas raconter leur récit. Ils ont été tués, réduits en esclavage ou exaltés. On raconte des histoires, des rumeurs. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé.
Je vous laisse travailler. Bien. J'espère vous revoir quand les temps seront plus calmes. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre peuple. Ok. Non, c'était pas sur la bonne touche. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Oh putain, mais il a de plus en plus de guerre. Arrêtez. Traquer les braconniers, vas-y, on va aller faire ça. La température est en baisse, pionnière. Braconniers par ici. Ils ont dû continuer à suivre les Yevara. Il y a rien dedans à récupérer. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Déclencheur de souvenirs. Colonisation trouvée ainsi pour l'avant-poste. Ah! On allait voir ça. Du coup. C'est un signal utilisé par les civils en Gara. Un appel de détresse. Compris. On devrait aller voir si on peut se rendre utile. Jael, c'est toi! Rejoins le combat, mon frère! Bonjour. Merci pour votre aide. Tous les ennemis des cartes sont nos alliés. Qu'est-ce que c'est que cette idée? On a cru que des civils avaient besoin d'aide. Pas cette fois. Là, c'était la résistance qui donnait une bonne leçon aux cartes. Il y a un groupe de cartes qui attaque les navettes. Ils tuent des innocents et pillent leurs possessions. Je savais que le signal les attirait. Ils s'attendaient à trouver des victimes incapables de se défendre. Un piège brillant. Et on dirait qu'ils sont tombés en plein dedans. En agissant de cette façon, vous avez mis encore plus de gens en danger. Assez discuté. Voilà d'autres cartes. Thank you.
t'es chaud. Du coup, on va continuer, ouais, on va continuer là-bas. Il y a quoi là? Ici, là? Ah non, c'est les points d'intérêt, ok. Braque, qu'est-ce que les Krogan font pour s'amuser? Vous voulez dire quoi par s'amuser? Laissez tomber. Putain, c'est en train de devenir des potes, ces cons là. Ceci pourra accueillir un avant-poste, mais la planète n'est pas encore viable. Un autre déclencheur hélétique, Sam? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Okay. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre. Ouais, on verra ça après, si ça te dérange pas, Jean-Michel. Qu'est-ce qu'on a là? L'Arche Asari, vas-y. Suivre vos recherches. Un kilomètre par ici. Okay. Hop là, hop là, hop là, doucement, doucement, Joy Jumper. Trolika, il y a peut-être des gardiens. Ok, il va falloir passer la montagne. Descendu trop bas. Okay, c'est sur la montagne. Je détecte toujours le signal du Périphona. Il a dû atterrir. C'est pas bête, si les gardes sont à leur trousse. Ouais, mais enfin bon, c'est quand même le troisième point qu'on fait, on l'a toujours pas trouvé, Jean-Michel. Qui est bien gentil, le Périphona, mais... hein ? Qu'est-ce qu'on a par là ? Connaître son adversaire. Inspecte la bonne carte, ok. Livrer des fournitures médicales. Déclencheur de souvenirs. Facultatif. Traquer les vacanciers. Bon, bah écoutez, on va aller sur celle-ci. Okay.
avez appris à vous battre, Jal? Qui vous a entraîné? Mon père, mes frères et sœur aînée. Nous approchons d'une cache de secours de la résistance. Plus que deux à trouver. Faut vraiment que je change. L'équipe parce que là. Il pensait sûrement trouver quelqu'un de blessé ou mourant. Ça va plus du tout. Plus maintenant. Ok, y'a rien à récupérer, on se tire. Bon, en face, on a un déclencheur de souvenirs. Sam, c'est encore un déclencheur de souvenirs? Vous avez désormais accès. Oui, on y a accès, je sais. L'arche à Sari, il nous en reste plus que deux. J'y rêvais quand même. Ouais, faire ça d'abord et puis on va là. Et on termine par ça. On va voir ça. C'est. Achemine l'électricité sur de grandes distances. Les reliquats se sont emparés de la zone pionnière. Il pourrait être utile d'inspecter. Allez. Vous êtes bien plus imposant que les autres espèces de l'initiative. Elle a été complètement ravagée. Merde. Non, t'as pas le droit de me faire ça, Jean-Michel. Et de deux. C'est bon là, on peut se barrer ou pas? Ennemi droit devant! Jean-Michel, faudra arrêter de se foutre de ma gueule là. Comment je prends cher? Ça va?
Écoutez, je ne sais pas ce que Ryoek vous a dit pour que vous nous aidiez, mais il vous a menti. Astra, ne fais pas ça. La ferme. Eh oh, on se calme. Ryoek est un contrebandier de Kadara, comme nous tous. On est venu ici quand on a appris que les Kert éradiquaient des villages. Il veut vendre la carte de la Veulde Antique au plus offrant. Elle vaut une fortune. De toutes les manières dégradantes de gagner quelques crédits... Vous volez mon peuple alors qu'il a tout perdu. J'ai changé d'avis, non? Pourquoi m'avouer ça? Quand je suis arrivé ici, quand j'ai vu ce que les Kert avaient fait à ce village, ces gens ont assez souffert. Ils n'ont pas besoin que des pilleurs viennent s'emparer du peu qu'il leur reste. Je veux que vous apportiez la carte à la Résistance, là où elle sera utile. Et Ryoek? Ce n'est pas un sale type, c'est juste qu'il a de mauvaises idées. Quand on lui expliquera ce qui s'est passé ici, il comprendra. Ne soyez pas trop dur avec lui, d'accord? Contentez-vous d'apporter la carte à la Résistance. Il en a fait une affaire personnelle en me mentant. On va avoir une petite discussion. Il fallait que j'essaie. Quoi qu'il en soit, merci. J'aime pas les menteurs. Je sais qu'il ne vaut mieux pas discuter avec Astra. Allez-y, prenez-la. Alors attends, parce que moi maintenant, par contre... Ah oui, ma voiture est en haut. Et ça, c'est pas cool. Ah ouais, ça va être la galère. Non, c'est bon. Pas par là, s'il vous plaît. Ah, j'ai oublié une mission ici. Et les tèges à combattre les cartes. Je vais quand même mettre ça, tiens, vite fait. On est à côté. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Des zones minières sont disponibles dans cette région pionnière. Okay. Je les ai ajoutées à votre système de navigation. Alors, 30 secondes, je finis vite faire un truc. Nous approchons des coordonnées du chercheur de gloire. Le poste Kert n'est pas loin. Jean-Michel. Je vais jamais y arriver. Je peux pas détruire ce poste tout seul. Tu étais-je ? Ah ! Je vous avais pas vu. Oui, c'est moi. Comment vous m'avez trouvé ? Attendez, c'est Cole fait les autres, pas vrai ? Par les étoiles. Ne leur dites pas que vous m'avez trouvé dans cet état. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien gardé. Et à force de rester planté là, je commence à douter de tout. Je croyais que le but de l'opération était de mourir en faisant ça. Les gens comprennent toujours de travers. On ne gâche pas notre vie. Je pourrais mourir ici. Mais ce serait pas une mort glorieuse. Ce serait triste, stupide et solitaire. Quelle révélation. Vous voyez ? Plus je réfléchis, plus mes pensées s'assombrissent. J'ai de l'expérience avec les cartes. Je peux te donner un coup de main si jamais ça peut... t'aider. C'est vrai ? Je pense qu'à nous tous, on peut réussir à détruire ce poste. Mort ou vif, je ne partirai pas d'ici. Ah ouais, non mais attends, mais te barre pas du dialogue sans que je puisse te suivre. Et par contre, j'ai pas de vie, moi, Jean-Michel. Ça te dérange ou pas ? Putain, mais il va où, là ? Reviens ! Reviens ! Des cartes, préparez-vous. Ah !
pas de vie, moi. C'est possible. Faut avancer, les gars. On va pas aller... Couvert, 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 j'ai plus de bouclier. Envoyez les grenades à l'intérieur, bande de cons. Recharge. C'est bon, ils sont tous morts. Attends, je vais chercher de la vie avant mon pote. Ça te dérange pas. Toujours en vie. Et franchement, je préfère ça. Vivre et apprendre, c'est aussi une bonne façon de devenir plus fort. Ouais. En plus, je n'ai jamais rencontré personne qui ait connu la Renaissance bénie. Peut-être que ce n'est même pas vrai. Par les étoiles, si mes amis entendaient ça, ils me tourneraient le dos. Surtout Venge. J'ai presque peur d'y retourner. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire, mais Rochoir Lynn t'aidera peut-être. J'ai toujours aimé Rochoir. Vous avez raison, elle saura quoi faire avec mes amis. Peut-être qu'il faudra leur parler, ou que j'arrête de les écouter. On a grandi ensemble. Parfois, la vie nous mène sur des chemins différents. Oui, peut-être. Merci, pionnière. Au moins, on a bien botté le cul de ces Kertes, pas vrai? Ouais, c'est ça. Alors par contre, on va explorer un petit peu cette base là, s'il n'y a pas des trucs à récupérer dans le bordel. C'est bon, on peut se tirer. Ah oui, par contre, le véhicule est super loin, quoi. Je détecte des températures inférieures à la normale. Du coup, à côté on a quoi? La cache médicale. Il nous restera celle-ci à les faire ensuite. Merde, elle était là. Mais c'est là où on était, on l'a même pas fait tout à l'heure. Ouais. Mais si, pourtant je l'avais fait. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Les systèmes de survie sont stables. Je détecte une diminution de la température. Oh, putain, les systèmes de survie sont stables. Le truc est bugué, t'es sérieux?
Ah, c'est bugué. La température est en baisse, pionnière. Ouais, les je sais. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. On peut s'accroupir ou pas? On est dans le caca. La température est en baisse, pionnière. Je détecte une température normale, pionnière. Ah mais non, on est à 2 sur 3, donc celle-ci elle est validée en fait. C'est juste qu'elle reste affichée, putain, c'est le bordel ça. C'est bien qu'on l'avait faite celle-ci. Non, faut que j'aille faire l'autre là-bas là. Rigolo par contre de monter là-haut. Drac, quand j'ai parlé de la femme qui m'a brisé le cœur, vous avez dit que vous compreniez. Vous pourriez m'expliquer pourquoi on vous a brisé le cœur, à vous aussi. Les cœurs, on en a quatre chez les Krogan. Et je vous dis que dalle. Je comprends parfaitement. Jamais passé. Je détecte des températures inférieures à la normale. Je détecte une importante chute de la température. Surtout ne pas tomber. Vous approchez pas trop du bord, gamine. Relax, je gère. J'ai toujours aimé Völd. C'est une planète dure, mais magnifique. La température extérieure est en chute libre. Allez, on y va. Déterre, préparez-vous. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. C'est bon là, ils ont compris les cartes là. De nous emmerder. Cache réapprovisionnée. Les caches de secours sont de nouveau pleines. Excellente nouvelle. Revenez dès que vous pourrez. On vient de recevoir du matériel et je pense avoir quelque chose que vous trouvez. Attends, on va aller quand même aller voir parce qu'à mon avis, il y a une petite quête ici.
arrêter de me passer devant, bordel. Buxil, je suis à l'entrée de la base. Vous avez réussi à décrypter le code des boucliers ? À l'instant. Je vous le transfère tout de suite. Que les étoiles vous éclairent, pionnière. Attends, parce que j'ai pas de mun. Je vais quand même faire la mission secondaire, elle est où ? Il y avait la mission secondaire tout à l'heure. Ah, faut que j'aille là d'abord. Ça c'est quoi ? Connaître son adversaire. Cette mission, je vais pas la faire tout de suite en fait. Non, non, on va pas la faire tout de suite. On va partir là-dessus. Parce que je voudrais faire l'objectif facultatif, donc du coup on va partir sur le nord là-bas. Et vers 18h on retournera sur le Nexus, vite fait. Ouais, on retournera sur le Nexus, vite fait. C'est bon, t'as fait le plein. Pionnière, tir d'armes lourdes détecté à proximité. De la ferraille de Kert. On trouvera peut-être des trucs utiles. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Encore un faux relevé, mais on doit se rapprocher. Ah oui, à force, hein. Voilà l'origine du signal du périphona. Une épave. Il y a des cartes dans le coin. Débarrassons-nous d'eux. Massacrez-les ! C'est ce que je fais de mieux. Il a esquivé mon truc, lui. Voilà donc le périphona. Enfin, ce qu'il en reste. Il faut que Cora voie ça. C'est l'œuvre des Kert, c'est sûr. Ce n'était pas qu'un crash. Les Kert ont pulvérisé le vaisseau, et il n'y a aucune survivante. Si on avait été plus rapide, on aurait pu... Bordel.
n'a pas de sens. S'il voulait exalter les Asari, pourquoi avoir tué l'équipage? Peut-être qu'ils n'ont pas pu résister à la tentation en voyant une cible sans défense. Ryder, Cora, il reste quelque chose. Gueule pas, on est à côté de toi, mec. Elle est dans un sale état. Mais voyons ce qui... Dernier registre. Si l'Arche trouve ceci, on a échoué. On n'a pas réussi à les repousser. La copie des données est perdue. La décimation est trop fonde. Pardonnez-nous, on a fait tout ce qu'on a pu. La décimation. Idaria a parlé de chasseurs Kert spécialisés. Ce sont peut-être eux. Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser ça ou la boîte noire pour retrouver l'Arche? Si le registre de navigation a survécu, on pourrait retracer la trajectoire du Périphona. Ça pourrait nous mener jusqu'à elle. Je peux vous aider. Je vais m'y mettre. On se retrouve aux tempêtes. Attendre que Cora déchiffre le signal transpondeur, pas de problème. Du coup, vu qu'on est ici, on va partir faire donc ça, traquer les braconniers et voilà, observer le bouclier, impeccable. Ah putain, on a un truc ici, c'est quoi? Demander des explications. Alors, ah ouais, oui, faut qu'on y aille aussi là-bas. Allez, au véhicule. Ah, faut que je scanne apparemment. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je viens juste de me rappeler une blague. Vous comprendriez pas. Dites toujours. J'aimerais savoir. Toc, toc, toc. Qui est là? Pitoyable. Un Elcor. Mais c'est nul. Quelque chose me dit que même si vous m'expliquiez, je ne comprendrais pas. On dirait que les braconniers sont déjà partis. Une seconde. Il y a un datapad là. On va partir sur les traces des poissons, ils ne sont pas bêtes de bouger sans cesse comme ça pour nous trouver. Tu n'as qu'à utiliser le signal. Le van est un. Ok. Ces gens, ils n'ont pas la moindre idée de ce que les Yavara représentent pour nous. J'aimerais comprendre. Pourquoi les Yavara sont tellement importantes pour vous? Presque toutes nos légendes traditionnelles ont été perdues à cause du fléau. Il ne reste que les contes parlant des Yavara sur Völd. Ils racontent comment leur chant, depuis les océans, a poussé le soleil à sortir de sa cachette. Comment, jadis, elles ont guidé les vaisseaux en Gara vers des rivages sûrs. C'est magnifique. Les Yavara sont des créatures intelligentes et fascinantes. Et elles se font massacrer. Eh ben, allons les voir, c'est pas un problème. Oh putain, c'est ici, t'es sérieux? On fait que ça, quoi, se promener. Oh putain, on aurait pu débloquer ça. Quel con, on était à côté. Bon, c'est pas grave. Les Kert ont déployé un sacré bouclier au milieu de nulle part. C'est Janik. Les Kert pensent qu'ils y trouveront des reliquats. On ne peut pas percer ce bouclier. Il est contrôlé par la base principale. Ok, bah on se tire. C'est pas un problème. Fallait juste s'approcher, ok. Du coup, là, on a quoi? Le champion du trouver les braconniers. Bon, on va aller faire ça, mais on va d'abord se TP ici. Si j'arrive à choper ça. Est en baisse, pionnière. La température ambiante est normale. Les systèmes de survie sont stables. Ah oui, c'est le mec qui est derrière les caisses là-bas. Thank you.
Alors, mon petit pote. Vous voilà. Où sont mes collègues? Vous avez la carte. Vous parlez de la carte que vous vouliez vendre sur Kadara? Comment? Astra. Elle a retrouvé sa conscience, c'est ça? Cette fille n'est pas faite pour ce boulot. Croyez-le ou non, j'ai discuté avec ces gens. Ils ont souffert bien plus que je le pensais. Franchement, je ne suis pas sûr que je serais allé au bout de mon plan. Ouais, c'est ça, bien sûr. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. Il a essayé de voler votre peuple, Jal. À vous de décider. Entrez dans la résistance. Si vous voulez piller, vous le ferez pour votre peuple. Vraiment? Il a fait une chose terrible. Mais il a fait passer son vaisseau au nez et à la barbe des Kert. Et ça, ça demande du talent. Autant l'utiliser. J'imagine que je n'ai pas mon mot à dire. Non. Très bien. Je ferai ce que vous voulez. Par les étoiles, je regrette vraiment de vous avoir demandé de l'aide. Du coup, où est-ce qu'il faut qu'on rende ça? Ah, les complexes cartes, j'ai pas tellement envie d'y aller en fait. J'ai pas tellement envie d'aller le faire. Je pense que ça on le fera plus tard. Par contre, je vais attendre que la quête se valide là. Voilà, c'est bon normalement. Je vois pas où faudrait qu'on aille la rendre. On va se tirer, on va aller aux tempêtes, on va vite aller peut-être sur Eos, je sais plus si sur Eos on a quelque chose à faire. Ou alors on va directement au Nexus et tempête, ouais. Ah tiens, il y avait un conteneur ici, j'ai même pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'on a ici alors du coup? Au grand jour, on a une quête ici et retournez voir le docteur. Ok, c'est parti. J'ai trouvé une carte. Des chasseurs de trésors ont trouvé cette carte de la Völd antique. Ils voulaient vous la donner. On croyait l'avoir perdue quand le Dahar a brûlé. Regardez-moi ces détails. Cette carte pourrait nous permettre de lancer des assauts via les anciennes routes commerciales, que même les Kert ne connaissent pas. Ceux qui vous ont donné ça méritent notre gratitude. Et vous aussi. Bah de rien, Jean-Michel. Je crois que j'ai assez d'infos. Si vous avez besoin d'autre chose, je reste ici. Docteur, docteur, docteur. Donnez-moi une double dose de Suma, vite! Ravi de vous revoir. Vous avez sauvé des vies aujourd'hui. Ah, t'as changé de ton déjà, toi. Je sais pas qui ni combien, mais vous les avez sauvés. Je vous ai gardé quelque chose de notre dernière livraison. Pour vous remercier. Une récompense n'était pas nécessaire. Si. Croyez-moi. C'est dangereux par ici. Tout le monde compte sur son équipement pour le protéger. Vous aussi. Qu'est-ce qu'il m'a filé ? Pack de sur-régime, condensateur de bouclier, munitions antigraves, système de secours. Comment j'arrête l'hémorragie? Ok, génial, merci. Du coup, comment on va aux tempêtes après? Appliquez des bandages et demandez un coagulant à Escald. Escald, Escald. J'ai juste le pressentiment que Machal est toujours en vie. Bonjour.
Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. Bravo, tu as impliqué Ryder dans cette folie maintenant. Rahbar, je sais que Machal est toujours en vie. Anna, pourquoi vous êtes convaincue que votre amie est encore en vie? Parce que Machal est notre meilleure saboteuse. Elle sait comment se protéger. On a détruit un entrepôt d'armes Kert, mais les détonateurs n'ont pas marché. Machal a dû déclencher les explosifs manuellement. Elle s'est retrouvée au milieu d'une explosion qu'on a pu voir par-delà les collines. Mais personne ne connaît la démolition aussi bien que Machal. Elle aurait su où se mettre à l'abri. Si votre ami était aussi doué que vous le dites, il est possible qu'il ait survécu. Merci beaucoup. Ça fait tellement longtemps que je m'égosille, mais personne n'écoute sauf vous. Même si je te croyais, Anjik ne nous laisserait pas y aller. On a besoin de nous ailleurs. Si je vais là-bas, je pourrai inspecter la zone. C'est vrai? Que le ciel vous bénisse. J'ai les coordonnées. J'espère que les données sont compatibles avec votre gadget. Peu importe ce que vous trouvez, je vous en prie, dites-le-moi. Je veux juste connaître la vérité. Comme si j'avais que ça à foutre, moi, madame. Pas possible, ces gens. C'est quoi cet truc, là? C'est qu'ils veulent nous parler, c'est ça? On va lui parler, du coup. J'espère vraiment que vous la trouverez. Ah, d'accord. Ok, tu veux pas lui parler. Du coup... Ça nous a rajouté une quête ici. On la fera quand on reviendra ici. Je voudrais aller au Tempest, s'il vous plaît. On se tire d'ici. Il fait trop froid. On va aller draguer Pibi un petit peu. Merde. Je détecte des températures inférieures à la normale. On va aller draguer Pibi un petit peu quand même. Faut pas déconner. Cora vous cherche. Ah ok, Cora va nous parler aussi. Pibi, elle est là ou pas? Non, on regarde pas. J'apporte les touches finales à mon petit projet. Je croyais que ça devait être pour le Nexus. Mais je peaufine la dernière pièce ici. Enfin, on va dire que j'essaie. Je passe mon temps à refuser poliment l'aide des membres de l'équipage et à les chasser dehors. Alors merci d'avoir trouvé cette précieuse pièce de Relitech, mais vous pouvez arrêter de creuser maintenant. D'accord, ça restera une surprise. Vous le regretterez pas. Vous voulez que je dise aux autres d'arrêter de venir? Non, je me débrouille. Tant qu'ils essaient pas de copiner. Et je suis contente de voir que même avec la galaxie à portée de main, vous savez laisser leur intimité aux demoiselles. C'est clair que vous êtes unique en votre genre, ma chère. Vous êtes loin d'avoir tout vu. Vous n'avez pas idée de tout ce que je peux faire. Non. Mais j'ai une imagination débordante. J'ai hâte que vous me l'appreniez. Mais fini les distractions. La prochaine fois que vous serez sur le Nexus, mon projet sera terminé. Je pourrai vous le dévoiler. Bon, si ça vous dérange pas, j'aimerais être seule avec mes machines. Ok, donc la prochaine fois qu'on va sur le Nexus, on te sert, c'est ça? Ok, j'ai bien compris. Alors attendez, parce que par contre, je veux changer de coéquipier, parce que Drac et l'autre, j'en peux plus. J'en peux plus, donc toi tu vas dégager mon pote. Et on va prendre Cora avec toi parce que... Je vous démarre. Cora normalement c'est ici. Ah putain, j'ai pas lancé mes... J'ai pas lancé mes assauts. J'ai pas lancé mes groupes d'assaut, merde. Toujours niveau 7. Fuck. Je tenterais bien une argent, mais une argent il passera pas. 44%, il passera pas. On va lancer ça. Les PVA, j'en ai ou pas? 3 récompenses à récupérer.
Et j'ai 0 points. Vous savez, votre côté coincé. Je ne suis pas coincé. Et Cora, c'est ici. Groupe d'assaut prêt pour le déploiement. Un rapport du Nexus. De plus en plus de gens sortent de stase. Ils attendent tous une terre d'accueil. Bradley ne manquera pas de main-d'œuvre. Ils vont bientôt commencer les récoltes. Ouh, c'est bon ça. L'autre, elle va moins gueuler, elle aurait de la nourriture. Je ne sais pas si je leur donne assez d'eau, ou un peu trop. J'ai grandi dans un petit transporteur. Je n'ai jamais vu de jardin en vrai, mais ça m'a toujours attirée. J'ai eu envie de planter un grand jardin de roses en arrivant ici. J'y songe encore parfois. Des roses dans Helios. Oui, ce serait bien qu'une part de beauté atteigne cette galaxie. Chaque membre de l'initiative a sa propre idée de cette part de beauté. Ça n'a pas toujours été mon cas. Après avoir quitté les commandos Asari, enfin, pas de mon plein gré, Nisira m'y a encouragée. Pourquoi ? Elle n'arrêtait pas de dire que l'initiative me conviendrait mieux. Être chasseresse, ça me convenait très bien. Mais elle a insisté. J'ai l'impression qu'elle se souciait avant tout de votre bien-être, en dépit de vos envies. Être rejetée ne m'a fait aucun bien. Mais j'ai l'habitude. Quand vos pouvoirs biotiques se transforment en armes dignes d'une chasseresse, les gens le prennent bizarrement. L'initiative semblait mieux, même si j'ignorais quelle place j'aurais dans cette nouvelle galaxie. Je ne me suis jamais intégrée avant. Et puis j'ai rencontré ce type un peu dingue, Ryder. Il m'a parlé du voyage vers Andromède avec la conviction d'un prêcheur. Quelle partie de son discours vous a donné envie de faire le grand saut ? Une civilisation qui donnait sa place à tout le monde, même à une IA, ou à une biotique avec des pouvoirs surhumains. Votre père a dit « Vous êtes différente. Maintenant, imaginez que vous soyez acceptée et que vous aidiez d'autres comme vous à le devenir. » À 13 ans, je pouvais déformer une poutre en acier. Grâce à lui, je me suis demandé « Et si on m'avait dit que c'était bien ?» Il vous a donné un rêve à poursuivre. Il était doué pour ça. Qui ne voudrait pas se sentir à sa place, surtout au sein d'un groupe comme l'Initiative ? Donc j'ai tout donné pour l'Initiative. Je n'arrêtais pas de penser à mon rêve, ma roseraie. Je pensais savoir ce que j'allais devenir. Vous parlez du fait de ne pas être devenue pionnière ? Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. Nisira, votre père, mes parents, ils sont partis en me laissant sans réponse. Je ne sais plus où j'en suis. Je comprends. On a tous eu notre lot de déceptions ces derniers temps. Vous en sortez bien, malgré votre manque de formation. Ce n'est pas si dur que ça de vous seconder. Et si la technologie des reliquats donne des résultats, j'aurais peut-être aussi droit à mes roses. Ok. C'est tout, on peut pas te parler, si ? Cet enfoiré d'Arconte. Oula. Arrogant comme pas deux. C'est sûrement un pléonasme pour un Kert. C'est aussi le premier Kert qui a daigné nous adresser la parole. Une info utile. C'est vrai, ils sont parfaitement capables de communiquer. C'est juste qu'ils préfèrent laisser parler leurs armes. Sinon, quoi de neuf ? Est-ce que vous êtes venu ici accompagné ? Par quelqu'un avec qui vous avez travaillé, peut-être ? J'ai bien profité de mes permissions, mais rien de sérieux. Les chasseresses Asari, elles se débrouillent. Mais moi, j'étais là pour faire la guerre, pas l'amour. Vous voulez dire que la proximité entre guerrières d'élite est acceptée ? Ça arrive, mais pour un seul déploiement en général. Les couples Asari ne durent pas très longtemps. Au bout de 500 ans, on apprend à se tenir. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'armée Asari ? J'ai passé 4 ans dans une unité, les filles de Talayn. Elles faisaient partie de l'initiative d'intégration militaire interespèce du Conseil. Le temps que vous avez passé à défendre l'expédition de Silva était sûrement plus important. Mais on a fait du bon boulot. Maintenir la paix, c'est un travail à temps complet. Même dans l'espace Asari. À quoi ressemblait votre unité de guerrières d'élite ? Janae et moi, on était les petites jeunes. Tétis était notre vieille sniper. Kalia nous remettait sur pied. Et Valenza priait entre les combats. Nisira, notre commandante, nous a emmenés partout sur la nébuleuse Athéna. Et même au-delà. Le travail d'une chasseresse n'est jamais terminé. Toutes les civilisations ont besoin de leurs défenseurs. Et les défenseurs vont généralement de pair avec leur civilisation, comme ces sacrées chasseresses Asari, capables de s'adapter à tout. C'est à se demander à quoi ressemblera notre milice dans 100 ans. Vous étiez dans l'Alliance avant de devenir chasseresse, pas vrai ? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie ?
Mes pouvoirs biotiques. Je vivais encore sur le transporteur de mes parents quand ils se sont manifestés. On n'avait pas les moyens de me former à les utiliser, ce qui provoquait des accidents. L'Alliance proposait les implants, l'entraînement, tout. Enfin, c'est de l'histoire ancienne. À vous, rappelez-moi ce qui vous amène dans Andromède. Les fouilles protéennes nous ont montré à quel point on était ignorants et quel pourrait être le prochain bond de géant de l'humanité. Et ensuite, la carrière de mon père s'est effondrée. Ses recherches sur l'IA le rendaient infréquentable. Je suis au courant. Ça a dû tout changer pour votre famille. On avait besoin de repartir de zéro dans un nouvel endroit, ensemble. Enfin, aussi ensemble que possible, en tout cas. Et donc, Andromède. Chez les Riders, on aime voir les choses en grand, hein ? Après 4 ans avec les guerrières d'élite à Sari, vous devez avoir de bonnes histoires de guerre à raconter. Un jour, Nissira a assassiné un chef de guerre Krogan avec un jeu de cartes. Un jeu de cartes ? Apparemment, il se serait étouffé. Eh ben... Où en sont les recherches de l'Arche à Sari ? On est encore en train d'analyser la boîte noire pour déterminer le dernier itinéraire connu de l'Arche. Et on se prépare au combat. À plus tard, Cora. Je ne bouge pas d'ici. Ok, à plus. Oui, la sortie, c'est par là. Du coup, il n'y a plus personne qui veut me parler, c'est bon. Parce qu'on a... Je crois pas. Hein. Je vais quand même aller voir mon ordinateur. Ah non, il n'y a pas la peine. Normalement, il y a un truc. Alors, là. Callo, qui est cette femme avec qui je... Riders, j'ai vraiment apprécié la trouvaison de tout à l'heure. Un truc de chocolat avec Gilles contre sa bien maison, elle est sacrément forte. Ok. Nitola Tillian. Ok. Quoi ? Qui ça ? Vous êtes toujours à court de crédit quand on revient. En orbite stable de Devold. C'est compliqué, Souvi. Barrons-nous. Alors, est-ce qu'on va vite fait sur Eos ou pas? Je sais plus ce qu'il nous reste à faire sur Eos, vite fait. Ah si, si, il fallait qu'on passe sur Eos, voir l'avancement du truc. Je me souviens maintenant. On fait ça et puis après on va sur le Nexus. Qui abrite Eos et Prodromos. Oula, bonjour. On ira sur le Nexus et on terminera le live là-bas, je pense. Et on reprendra ce soir, bien sûr. 21h minuit. Architecte, on s'en fout. Là, on change le ring. Donc on peut y aller. Descente possible. Synchronisation, trajectoire stable. Thank you.
Alors, est-ce qu'il faut voir le maire ou autre chose? J'en sais plus. Ouais, c'est le maire qu'il faut aller voir. On va aller le voir. Faudrait qu'on finisse ses quêtes aussi, ici. Un de ses quêtes. Ça serait pas mal. Donc allons voir le maire. Et du coup, ils ont enlevé la quête qui était buggée, là. Elle y est plus. Ah bah si. C'est toujours celle-ci. Putain, on chie. Je pense qu'il faut aller voir le maire, ce qu'il nous avait dit qu'il fallait voir les progrès qu'avait fait le truc. Content que vous soyez occupé du petit problème d'Henley, qui n'avait rien de petit, j'imagine. Je sais pas trop quoi penser de cette histoire d'Avent. Mais bon, c'est une grande planète. Pourquoi avoir appelé l'avant-poste Prodromos? Ça veut dire précurseur. Les langues, ça m'emmerde, mais on a voté. Laisser le choix du nom à l'initiative, c'était essentiel. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre une bande de civils de passer d'une galaxie à l'autre. Tant qu'on remplit nos obligations envers le Nexus, ce qu'on construit et la façon dont on s'organise, c'est à nous d'en décider. Parlez-moi de vous. Auguste Bradley, retraité de l'Alliance. J'en applique encore la discipline, mais pas tellement la doctrine. J'ai rejoint l'initiative parce qu'elle menait à une frontière. Il en reste plus tellement. Pas qu'il soit accessible avec ma pension, en tout cas. Vous avez de la famille ? Une nièce, sur Terre. On ne sait plus parler après le décès de ma sœur. Il est arrivé la même chose dans ma famille. Ma foi, on ne se mêle pas du chagrin des autres. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les habitants de Prodromos ? Je ne me suis pas entraîné avec ces soldats, mais ils se laissent bien diriger. Et quand les terrains seront disponibles, ils feront une base solide. On est assez loin de la ruée vers l'or et des concessions. Mais c'est possible qu'Avent ait complètement changé la donne. On verra. Mon père, votre sœur, on dirait qu'on a tous les deux beaucoup perdu. Pionnière, on ne se mêle pas du chagrin des autres. Ça vient d'où, ça? On ne se mêle pas du chagrin des autres. Vous l'avez déjà dit. Merde, c'est vrai. Vous n'avez pas eu droit au topo sur la mort du chef de groupe. L'idée, c'est que vous et votre père, ça n'a rien d'unique. C'est récent, c'est tout. Toute l'initiative, sauf peut-être les Asari et les Krogan, est sortie de stase en sachant que ses amis et sa famille étaient tous morts. Tout ce qu'on construit ici commence par ça, le non-dit qui sert de base à l'initiative. Alors non, on ne se mêle pas du chagrin des autres. Comment vous faites pour que ça ne déborde pas ? Oh, ça déborde. Et quand ça arrive, les autres ne s'en mêlent pas. Et je ne m'en mêle pas non plus quand ça leur arrive. Comment on dit déjà ? Les orphelins pensent que tout est possible et que rien n'est sûr ? Ça correspondrait bien à n'importe qui de l'initiative. Ou à tout le monde, peut-être. Vous avez un avis sur ceux qui tirent les ficelles depuis le Nexus ? Je ne traite qu'avec Addison. Elle suit les règles et après tout ce merdier, c'est une très bonne chose. Et les autres ? Je ne traite qu'avec Addison. Et qu'est-ce que vous diriez si vous n'étiez pas directement à leur service? Si j'étais pas à leur service, j'éviterais cette bande de nains autant que possible. Les avant-postes traitent avec Addison, elle traite avec les autres, et je ne voudrais pas être à sa place. Je voudrais juste un topo sur la situation. Ça restera entre nous. Ça fait plaisir de savoir que les secousses ont cessé, même si c'est pas très rassurant de savoir ce qui les provoquait. Et j'espère qu'on aura de bonnes relations de voisinage avec Avent, et qu'il n'y aura pas de rivalité. Ok, bon bah... On reparlera une autre fois. Au fait, pionnière, ce que j'ai dit à propos du chagrin, tous les pirates qu'on a amenés dans ce secteur ont connu la même peine que vous. Essayez de garder ça en tête, si ça peut éviter des fusillades. Mais du coup, il nous avait dit de venir sur Eos, mais en fait... À part la mission buggée ici, j'ai rien à faire sur Eos, quoi. Et puis, bah, les missions qui me restent ici, du coup. Viabilisé à 100%. Ouais. Bon, bah, on va aller au Nexus, alors, du coup. Quoique... Non. Ouais. Et ben, on retourne au Nexus, et puis voilà.
contre, un jour, j'aimerais bien que cette mission soit débuggée, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, ça... Faudrait que je voie avec ma deuxième partie, voir si elle est aussi buggée dans mon autre partie ou pas. Allez, direction Nexus. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS. El Nexus, et puis après on s'arrête. Cora voulait vous dire quelque chose. Oh ouais, j'ai pas le temps. Pas le temps, madame. Pas le temps. Retrouver Pibi à son appartement sur le Nexus. Oui. On va retrouver Pibi. Non, je vais le garder pour le live de ce soir. Ah, je sais pas trop. Ouais, je vais le garder pour le live de ce soir. On va aller faire autre chose. On va voir déjà ce qui s'y passe. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a ici à part retrouver Gilles au Vortex. Bon, on va aller voir ce qu'il veut, lui, ce con. Nous emmerder encore. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Jacqueline? Vas-y, exprime-toi. C'est la pionnière. Oui, c'est moi. C'est vous qui avez sympathisé avec ce peuple étrange, ces Angara. Et maintenant, ils sont ici, à bord du Nexus. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Comment on peut en être sûr? N'oubliez pas que c'est nous, les étrangers. On est chez eux et ils nous ont accueillis. C'est suffisant pour leur faire confiance. Sans doute. Parlez-leur. Apprenez à les connaître. Jugez-en par vous-même. Merci du conseil. Je vais faire ça. Putain de gens qui ont des a priori sur les... Hein, bande de racistes. Pas possible, ça. Au fait, Ryder, grande nouvelle. Je me suis peut-être trouvé un but. Ah, ah ouais? Quoi donc? Vous matez au poker. Je distribue. Ryder, je peux analyser les signes vitaux de Gil et vous donner un avantage si vous voulez. Bah carrément. D'accord. La pionnière a parlé. Vous êtes plutôt doué, dites donc. Vous m'aviez caché ça. Ne faites pas l'étonner. Le poker m'a coûté plusieurs amis au fil des années. La seule qui joue encore avec moi, c'est Gil. Oui, je sais. Gil et Gil. Elle n'est pas du genre à abandonner, dites donc. Jamais. Elle sera avec moi jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Jill est experte en fertilité, chef du CRC de l'initiative et ma seule vraie amie de ma vie d'avant. Je mise 50. Je suis le CRC? Le comité de repopulation coloniale. Elle me dit toujours que je lui complique son boulot. Que si je ne me reproduis pas, je contribue au problème. On a une drôle de relation, tous les deux. Je trouve ça un peu irrespectueux. Ça vous dérange pas? Elle est comme ma sœur.
Elle me soutient sans condition aucune. On aime se charrier, c'est tout. Faut que je vous la présente. Vous verrez, elle est géniale. Je relance 200. C'est du bluff. Je suis. Ah. Oh, joli. Vous m'avez eu. Bon, tant pis pour ma série victorieuse. Je m'incline, Ryder. Bien joué. J'ai plus qu'à trouver un autre but à ma vie. La chance du débutant, vous savez ce que c'est? N'importe quoi. Vous êtes loin d'être une novice. Jill va bien se payer ma tête quand elle saura que vous avez gagné. Je lui répondrai que ça en dit long sur ses talents à elle. Amusez-vous bien. Et merci pour la partie. C'est bon? On a fini avec ces conneries, là? Putain. Casse-couille, ce mec. De tissus et d'ADN. Allez voir un médecin si vous souhaitez participer. Vous êtes sur SIH. Allez, on fait le tour ici, puis après, après on s'arrêtera. Et on reprendra ce soir. 21h minuit. Ah, y a personne, y a rien à faire ici, t'es sérieux? Y a même pas Kerry, allez voir. Parler au directeur Tan dans les quartiers généraux des pionniers. Bah si, alors pourquoi ils m'ont pas mis la quête? Attends, mais je vais voir la journaliste, elle est où? Merde, elle est pas là. Ok, on va aller lui parler. Hein. Merci de vous présenter dans la zone commune. Bonjour. Les Angara n'ont rien à craindre. Puis-je faire quelque chose pour vous? On dirait que le Nexus a rencontré quelques problèmes, non? Officiellement, je dirais que nous nous en sommes bien sortis. Mais de vous à moi, c'est un vrai désastre. Le fléau nous a fait subir de lourdes pertes, dont la plupart de nos dirigeants. Même la fondatrice de l'initiative, Jen Garson, est décédée. Comment est-ce que Jen Garson est morte? Avec le reste des dirigeants. Quand le Nexus a heurté le fléau, un grand nombre de modules de stase ont été détruits. Ils ont été tués sur le coup. Ces gens ont voyagé pendant 600 ans, et ils sont morts avant d'avoir pu ouvrir l'œil. Jean Garson n'a même pas eu l'occasion d'apercevoir Eleus. Elle n'aura jamais vu sa vision prendre corps. Kandros a parlé d'un impact avec le fléau. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Certains malfrats ont profité de l'urgence pour faire régner la terreur parmi les civils. Une révolte s'en est ensuivie. Nous avons été contraints de laisser les Krogan se charger d'eux. Ils ont écrasé la mutinerie, et les malfrats ont été expulsés. Je pense que ces exilés referont parler d'eux. Leur chef est une hors-la-loi appelée Sloane Kelly. Elle était l'une des nôtres, avant tout cela. Qui est cette Sloane Kelly? Elle était responsable de la sécurité du Nexus. Au départ, elle s'est opposée à la révolte, mais elle a fini par embrasser la cause des traîtres. Une compassion mal avisée pour la situation désespérée des petites gens. Absurde. Ils représentaient une menace directe pour notre existence. Je n'ai pas vu beaucoup de Krogan à bord. Tant mieux. Les Krogan ont exigé plus d'importance dans les affaires politiques. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ont tout dans les bras, rien dans la tête. Le combat et les tâches physiques leur conviennent mieux. Comme ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Pourquoi vous n'aimez pas les Krogan? Comme chacun le sait, leur espèce est violente et ignorante. Autrefois, ils se sont lancés dans une guerre nucléaire qui a dévasté leur planète. Mon peuple a voulu les éduquer, mais les Krogan n'ont jamais pu réprimer leurs pires instincts. Un tempérament pareil dans Andromède, cela sonnerait notre fin à tous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'initiative? C'est la plus grande migration que nous ayons jamais entreprise. La première fois que nous nous aventurons hors de la Voie lactée. Nous sommes tous partis en quête de liberté, de richesse, ou peut-être d'un nouveau départ. Nous sommes les représentants les plus braves de nos espèces. J'espère que le Nexus sera le siège de notre gouvernement à tous. Qu'est-ce que vous savez sur les débuts de l'initiative? Il est de notoriété publique que l'initiative a vu le jour grâce à Jean Garson. C'était une entrepreneuse sur Terre, riche,
jeune pour une humaine. Garson a eu l'idée de l'initiative au début des années 2170, il me semble. Bien des gens estimaient qu'il était impossible de quitter la Voie lactée. Mais elle a persévéré. Et comme souvent, quand il est question de grandes idées, les sceptiques avaient tort. Le Nexus est plutôt cosmopolite. Le Nexus abrite plusieurs espèces de l'initiative. De nombreuses personnes ont fait le déplacement avant les Arches. Nous espérons faire un jour de cette station le siège de notre gouvernement dans Andromède. Même si je ne suis pas certain de comprendre pourquoi des Krogan sont aussi là. Étant galarien, je ne les ai jamais portés dans mon cœur. Et pour l'instant, rien ne m'a encouragé à changer d'avis. Qu'est-ce qui a poussé la plupart des gens à venir, selon vous ? Chaque colon avait ses propres raisons de venir. Je pourrais vous trouver des milliers d'explications. Mais tout pèlerin recherche généralement le bonheur. Ce petit quelque chose qui leur échappe, qui les comblera. Nous ne pouvons pas leur promettre de réaliser leurs rêves, mais nous pouvons au moins les aider à s'en rapprocher. Si vous êtes le directeur de l'initiative, ça veut dire que vous êtes le responsable ici ? Si on me laissait faire mon travail. Les autres ne me considèrent pas comme le successeur légitime. Alors comment est-ce que les choses arrivent à fonctionner ? En théorie, Kesh s'occupe des opérations physiques du Nexus, Kandros gère la milice et Addison les affaires coloniales. Je supervise le tout. En pratique, nous débattons, ce qui consiste à hurler les uns sur les autres jusqu'à parvenir à une décision. Les bons jours. C'est exaspérant. Pourquoi est-ce que vous leur posez problème ? Parce que je ne suis pas J.N. Garson. Notre fondatrice était charismatique, excentrique, un vrai personnage. Je n'ai pas autant de personnalité. Le fléau a eu raison d'elle et de son entourage. D'autres dirigeants ont été tués par les exilés, et certains ne sont jamais sortis de stase. J'étais assistant adjoint à la gestion des finances, et mes 7 supérieurs hiérarchiques sont morts. J'étais le suivant dans la liste. Alors, vous êtes comptable ? Ne vous y trompez pas. Nous avons tous un potentiel que nous n'imaginons même pas. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par l'exploration spatiale. En avançant dans la vie, j'ai suivi une autre voie. Quand j'ai entendu parler de l'initiative, j'y ai vu une deuxième chance d'emprunter ce chemin. Je n'explore peut-être pas de nouveaux mondes, mais c'est grâce à moi que vous en avez la possibilité. C'est vrai. Pardon. De quoi il faut que je tienne compte afin de rendre une planète viable ? À supposer que la vie puisse exister sur une planète donnée, un avant-poste est essentiel. Les gens ont besoin d'avoir un toit et d'être en sécurité. Éliminer toute menace, qu'elle vienne des Kert ou d'autres terreurs qu'Eleus nous réserve. Les massacres de colons font beaucoup de tort au moral. L'exploration et la cartographie sont des priorités dans votre travail de pionnière. Et n'oubliez pas les stations avancées, elles vous seront utiles. Vous pouvez m'en dire plus sur les stations avancées ? J'avais peur que vous me posiez cette question. Tout ce que je sais, c'est ce que les techniciens m'ont expliqué. Une station avancée permet d'effectuer des extractions, de réparer du matériel et de réapprovisionner des équipes sur le terrain. Ça semble idéal. Ce sera tout. Merci de m'avoir reçu. À votre service. Ouais, mais du coup, là, il a rien dit. Parler au directeur K. C'est fait, ça, du coup. Aux affaires coloniales. Merci d'informer Monsieur Tan de votre situation. Bah oui, c'est fait. Donc, en fait, on n'a plus rien à faire ici. Le progrès scientifique. On n'a plus rien à faire. On va pouvoir arrêter. On va se laisser là, les amis. Ouais, on va se laisser là. On reprendra le live ce soir, 21h. 21h minuit les amis, ce sera sur ça. Et très certainement demain après-midi aussi, on reprendra entre 15 et 16h je pense, jusqu'à pareil 18h30, 19h, on verra. En tout cas merci à vous de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc ce soir 21h minuit sur la même chaîne les amis, à tout de suite. Bon appétit à vous, à tout à l'heure. Votre attention, on nous signale un mouvement.